Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire, ce 2 décembre. Une séance qui prend tout son sens au milieu d'un cycle initié par l'Institut français de Madrid, l'Institut français de Buenos Aires et grâce à l'aide de Acción Cultural Española aussi. Il y a déjà eu plusieurs rencontres organisées pour le grand public et nous avons maintenant aussi ce soir et demain des rencontres qui sont dédiées aux professionnels français, espagnols et argentins dans le domaine aujourd'hui de la littérature et des sciences humaines et sociales. Je vous salue. Un petit point technique, vous rappelez tout d'abord que cette rencontre bénéficie d'une traduction simultanée en français et en espagnol. Il vous suffit d'aller en bas de la fenêtre que vous avez ouverte sur Zoom et en bas à droite, vous allez trouver un petit planisphère et vous allez pouvoir choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter ce webinaire. Je pense que vous allez pouvoir ainsi bénéficier des services de nos excellents traducteurs, en tout cas en ce qui concerne les Français de Ismaïl, avec lequel on a déjà collaboré, qui est particulièrement efficace et attentif à tout, grâce lui soit rendue. Claire, qui travaille également pour le BIEF, qui co-organise cette opération, Claire Mouguière, prendra vos questions. Il y a deux fonctions qui sont disponibles sur Zoom. Vous avez une fonction de discussion, de chat, qui vous permet de parler soit à tout le monde, soit à des personnes que vous aurez choisies. Mais si vous voulez poser des questions, il vous faudra donc utiliser le bouton « questions-réponses » qui se situe immédiatement à gauche de ce bouton de chat et qui vous permet donc de poser des questions que nous prendrons tout à l'heure en fin de séance qui seront posées par Claire et évidemment traduites et adressées aux différents intervenants qui sont réunis ce soir. Alors je voudrais tous vous remercier, d'abord vous, dans le public que nous ne voyons pas, qu'il soit en Argentine, en Espagne ou en France. En France, c'est la fin d'après-midi, tout va bien, c'est les horaires de travail, mais j'ai pensé pour nos amis argentins qui vont sacrifier leur pause de déjeuner pour parler de sujets professionnels. Et puis, je pense que le plus simple, c'est de commencer assez rapidement. Je vais rapidement me présenter. Je suis Nicolas Roche, je dirige le Bureau international de l'édition française. C'est une structure qui aide les éditeurs français à faire du business avec leurs partenaires internationaux et qui assure, par exemple, les stands collectifs français à l'étranger ou qui organise beaucoup de rencontres. Et en ça, les instituts français sont des partenaires extrêmement réguliers de l'ensemble de nos actions, et qu'ils soient ici à Madrid ou à Buenos Aires. Donc, je remercie particulièrement Magali Guerrero à Madrid et Matteo Chapier de Buenos Aires, avec qui on travaille très régulièrement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec d'abord la présentation de nos intervenants. Je vais demander à chacun de se présenter assez rapidement, s'il le peut. Bien sûr, présenter la maison qu'il représente, se présenter lui-même, et puis peut-être axer ça sous l'angle des échanges, évidemment, franco-espagnol-argentin. On va discuter ce soir, évidemment, l'histoire est ancienne entre nos trois pays, une histoire qui remonte à plus de deux siècles. Nous avons l'habitude d'échanger régulièrement, d'avoir des auteurs qui voyagent d'un pays à un autre, d'avoir beaucoup de traductions qui voyagent entre nos trois pays. Mais évidemment, tout ça se fait grâce à des professionnels comme vous ce soir. Je vais passer la parole immédiatement. Alors, je vais devoir préciser à quelle Anna je passe la parole, puisque nous avons la chance d'avoir deux Anna ce soir. Je vais proposer à Anna Esteban de Tusquets Editores, peut-être, de commencer cette présentation. Anna. Bon après-midi, gracias.
Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être ici avec vous. Merci de m'avoir invité. Je me présente rapidement et je parle un peu de comment cette situation nous a impactés. Je suis éditrice de... Si je vais trop vite, dites-le-moi, s'il vous plaît. Donc, je suis éditrice de chez Tusquets Editores depuis presque 9 ans, mais je travaille depuis très longtemps dans cette maison d'édition et donc j'ai vu et j'ai fait beaucoup de choses différentes. Tusquets est une maison d'édition assez, bon, assez ancienne. Nous avons célébré notre 50e anniversaire. Nous avons en fait acheté les droits de beaucoup d'auteurs pour l'Espagne et pour l'Amérique latine. À travers différentes filiales ou différents bureaux, grâce au grand groupe Planeta. Et donc, nous publions surtout à peu près la moitié des auteurs espagnols et l'autre moitié des auteurs étrangers. Nous sommes assez connus, car nous publions à Fernando Aramburu, à Almudena Grandes, Leonardo Padura, etc. Et dans le domaine des auteurs étrangers, c'est ce qui nous occupe surtout aujourd'hui, des auteurs comme Haruki Murakami, John Irving, Thomas Pynchon. Et dans le domaine français, pour aborder le vif du sujet aussi, nous avons été les éditeurs de grands noms français et nous continuons à les publier. Marguerite Duras, par exemple, des auteurs aussi d'accueil en France comme Kundera, Kundera Assurant, etc. Makin Le Clésio. Merveilleux, des auteurs dont nous sommes très fiers dans notre catalogue. Donc nous publions, pour, je dis ceci quand nous parlerons après du nombre d'auteurs que nous publions en français, nous ne publions pas beaucoup d'auteurs, il est vrai, à peu près 45 par an, des nouveautés. Et la moitié sont des traductions. Ceci veut dire qu'il y a un grand travail de recherche, de traduction et de programmation. Fondamentalement, 60% de ces traductions sont de la fiction. Ceci a augmenté au fur et à mesure. Et 40% non-fiction. Mais je vais parler exclusivement de fiction. Et si je parle de non-fiction, ce sera car, en quelque sorte, c'est près de la fiction actuellement. Je ne sais pas si je l'ai dit, nous sommes aussi des agents de nos auteurs espagnols. Et pour boucler un peu cette présentation, je voudrais dire que, effectivement, nous engageons des auteurs pour toute l'Amérique latine, mais nous avons aussi des éditeurs de Tusquets là-bas qui choisissent, qui proposent des noms aussi. Quand publier un livre, etc., comment, etc. Je crois que, bon, en somme, c'est déjà un résumé de notre activité. Merci beaucoup, Anna. Peut-être un petit mot immédiatement. On vous voit derrière des livres, et on est tous très professionnels, on a tous des livres derrière nous, on voit qu'on travaille dans l'édition. Anna, est-ce que vous travaillez depuis chez vous? Quelle est la situation en ce moment en Espagne, la situation sanitaire? Est-ce que les librairies sont ouvertes? Comment vous travaillez en quelques mots? En mars et en avril, nous étions, les librairies étaient fermées, complètement fermées, et donc tout le monde travaillait à distance, toute l'industrie, toute la chaîne du livre, disons. Après le déconfinement, nous avons commencé à utiliser le travail à distance, le télétravail. On prenait le relais de nos collègues pour ne pas être tous ensemble au bureau, donc la moitié est... Et à la maison, et l'autre moitié au bureau. Nous avons appris à travailler de chez nous. Nous avons des restrictions de mobilité, mais vraiment, ceci ne porte pas atteinte à notre travail, à notre activité professionnelle. Si nous parlons de la situation, concrètement de l'industrie, du livre. Alors, nous avons arrêté nos publications à deux reprises et donc nous avons dû ajuster un peu le nombre de livres. À partir du mois de mai, nous avons réduit très légèrement, uniquement deux nouveautés, une nouveauté française, en fait, et j'en parlerai après. Pour dire pourquoi. Donc, nous avons un peu adapté la programmation. En réalité, la pandémie surtout a eu un effet sur le manque de présence d'auteurs,
la promotion exclusivement via Zoom, en ligne. Il y a eu des modifications, par exemple, on a implanté de façon définitive le contrat, pour parler un peu des différents volets, on a implanté le contrat électronique de façon définitive. Nous avons dépisté une augmentation de la lecture des e-books et d'audiolivres. Donc vraiment, nous avons observé un panorama inédit, intéressant, mais un peu dur aussi, surtout car les auteurs étrangers n'ont pas pu venir, sauf un dont on parlera aussi. Et merci beaucoup, Anna. La situation en France est un tout petit peu différente. Le 30 octobre, nous avons recommencé un espèce de pseudo-confinement avec fermeture des magasins. Et les magasins ont rouvert le week-end dernier, notamment les librairies, ce qui a évidemment été un soulagement à l'approche des fêtes de Noël. Cela étant, alors que les éditeurs français avaient connu une période de relative embellie entre le mois de juin et le mois d'octobre, en rattrapant beaucoup du retard engendré pendant le printemps, il ne fait pas de doute que cette fermeture en novembre aura quand même eu un impact sur le chiffre d'affaires des maisons d'édition. Je vais céder la parole maintenant peut-être à une éditrice française, à Maria Blachou des éditions du Seuil, qui va se présenter sa maison. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je m'appelle Maria Blachou et je suis arrivée au Seuil en mai 2019 pour diriger le service des droits étrangers. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler brièvement d'une longue, mais très longue histoire d'échange avec nos confrères espagnols et argentins, en compagnie justement d'Ariana Arvich, d'Arturo Pérez Reverte et Marta Oriols, Antonio Molina, notre prix Médicis 2020, et de Gabriel Garcia Marquez, que j'ai là. Je n'oublie pas qu'il est colombien, mais il me semble que l'éditeur de 100 ans de solitude était argentin. Voilà. Donc, le Seuil, il a beau être l'enfant turbulent des lettres françaises, il est suivi fidèlement par les éditeurs argentins et espagnols pour sa production de fiction littéraire et des sciences humaines. Je vais pouvoir donner quelques exemples sûrement plus tard. Ici, j'aimerais juste dessiner une carte historique pour contextualiser aussi les résultats de cette année. Donc, l'activité des cessions en Argentine ou en Espagne est une affaire de à peu près 2000 contrats actifs, 24% en Argentine et 76% pour l'Espagne. Et pour 54% de ces contrats, le territoire n'est pas limité. On parle bien des droits mondiaux. Et dans ce cas précis, le chiffre d'affaires qui est généré par le relevé des droits, tout titre confondu, est presque identique. On constate une concentration importante des contrats chez une vingtaine d'éditeurs, je dirais, répartis à part égale entre l'Argentine et l'Espagne. En 2020, il n'y a eu aucun impact sur le volume moyen annuel des cessions, une soixantaine, mais sans l'analyse des relevés des ventes sur la période, notre vision reste partielle. Pendant la crise sanitaire, nous avons finalisé un bon nombre de négociations qui avaient été entamées bien avant le mois de mars. Nous avons négocié une trentaine de nouvelles cessions et puis une vingtaine de renouvellements. Nos échanges avec les éditeurs espagnols et argentins en mars et en avril étaient plutôt centrés sur l'envie de comprendre ce qui nous arrive et les besoins vraiment de rester en contact. C'est que je pense est le meilleur des antidotes en temps troublé. Et c'est à partir du mois de mai que les négociations ont repris, avec une priorité qui a été surtout donnée aux dossiers en suspens, enfin aux contrats non signés,
voilà, ou relevés ou justificatifs non reçus. Mais je tiens à dire que nous nous sommes donné les temps et les moyens de préparer une prospection atypique et de réfléchir sérieusement sur la qualité de nos documents de prospection et sur le choix de nos outils de communication. On va y revenir, Maria. Merci pour cette présentation rapide. Oui. Je vais céder la parole à Paolo Cosin de Morata Ediciones, une maison d'édition bien connue et centenaire. Paolo. Oui, merci beaucoup. Merci au BIEF, merci à Action Culturale et à l'Institut français de m'accorder cette opportunité de participer aujourd'hui. Je m'appelle Paolo Cosin, propriétaire d'Ediciones Morata, qui est une maison d'édition qui a commencé à publier en 1925, mais a démarré dès 1920 dans la chaîne de l'édition. Donc nous célébrons le centenaire, une année inoubliable. Et comme c'est une maison d'édition axée sur la pédagogie, et les sciences sociales. Le rapport donc avec la France vient de loin. Donc je veux aussi saluer Maria Vlachou, avec laquelle on échange des emails, de nombreux emails. Et c'est vrai que le nombre de traductions de français a diminué dernièrement. Traduire, c'est un investissement, évidemment, et c'est une chose dont on parlera aussi. Je représente aussi, je suis le coordonnateur des maisons d'édition indépendantes de Madrid, et Madrid a la plus grande richesse de publications et de maisons d'édition. Nous sommes plus de 250 maisons qui travaillent au sein d'une commission accueillie par l'Association d'éditeurs de Madrid. Et donc, ces maisons d'édition petites, indépendantes, ont leur poids, leur importance, et j'ai le plaisir de les représenter comme vice-président de l'Association d'éditeurs de Madrid. Et ceci me permet de participer à la Fédération d'éditeurs d'Espagne. Donc, mon intention vise à vous donner une vision plus large que celle de Morata, mais l'expérience de Morata m'aide évidemment à comprendre le reste du panorama de l'édition. Merci, et on en reparlera. Merci beaucoup, Paolo. Je vais céder la parole maintenant à un éditeur, mais il n'est pas qu'éditeur, qui a un pied un peu en France et aussi un peu dans les pays de langue hispanique. C'est Gustavo Guerrero, qui travaille pour Gallimard depuis de nombreuses années et qui va se présenter maintenant. Oui, tout d'abord, merci Nicolas, merci Magali, merci Matteo et Noah pour nous avoir réunis aujourd'hui. Je pense que ça nous fait du bien à tous de nous retrouver. Je représente la maison Gallimard et vous connaissez sans doute tous Gallimard, donc je ne vais pas faire de longues présentations. Mais surtout, je représente ici la collection du monde entier, qui sera bientôt une collection qui aura 90 ans. Elle a été fondée en 1931. Et donc, l'année prochaine, dans quelques mois, nous allons fêter nos 90 ans de la collection du monde entier, qui est une collection qui exprime, je crois, très, très bien la vocation universaliste du champ culturel français depuis plusieurs siècles et le fait que la France reste aujourd'hui un des pays qui traduit le plus au monde, à côté de l'Allemagne et de l'Espagne. Nous sommes un des pays qui est une des langues qui traduit le plus au monde, on ne le dit pas suffisamment. 15% de la production française et les traductions d'autres 18. Langues. 18%. Et nous avons aussi les 32% des romans qui sont traduits. Les 32% de toute la production romanesque qui sort des presses en France est aussi traduite. Donc, je crois que la collection du monde entier reflète bien cette vocation de la culture française. Nous traduisons dans plus de 46 langues, dont des langues très rares comme l'indonésien, le bengali, les hindi, et nous publions environ entre 40 et 50 titres par an, parfois un peu plus. Et en ce qui concerne l'espagnol, la langue, je m'occupe de l'espagnol et du portugais. L'espagnol jouit en France d'une place relativement importante. Et je veux dire relativement pourquoi.
parce que on est aujourd'hui à la quatrième place parmi les langues les plus traduites. Et si on regarde toutes les langues, on est derrière l'anglais, bien sûr, qui est la langue la plus importante. On aura ensuite les japonais, phénomène manga oblige, donc le japonais occupe presque 12% aujourd'hui de l'espace. Et ensuite, on aura l'allemand, l'italien et l'espagnol, qui vient avec 3%. Donc, à l'intérieur de la collection du monde entier, on garde à peu près la même hiérarchie, sauf que le manga ne sont pas là. Donc, on retrouve l'anglais, et l'italien, l'espagnol et ensuite l'allemand. Donc, on est à la troisième place parmi les langues les plus traduites à l'intérieur de la collection, entre 8 et 10 titres par an à l'intérieur du monde entier, mais nous avons aussi d'autres collections qui accueillent des titres traduits de l'espagnol, comme la collection Arcade, la collection Poésie Gallimard, la collection Quarto, par exemple. Nous avons un très beau volume consacré à Cortázar, par exemple, ou la collection aussi les Arcade, qui est une collection d'essais où nous publions les essais, par exemple récemment, de Javier Marías ou de Mario Vargas Llosa. Donc voilà un peu quelle est la place aujourd'hui de l'espagnol à l'intérieur du monde entier et à l'intérieur de Gallimard. La relation entre Gallimard et la littérature argentine et la littérature espagnole est très ancienne. Je pense que je n'exagère pas si je dis que l'histoire des relations littéraire entre la France et l'Argentine peut être racontée par l'intermédiaire de la collection du monde entier depuis les années 30, où Valéry Larbou va établir un premier contact grâce à la présence en France de Ricardo Guiraldes, qui va être le premier à introduire aussi la présence de Borges dans le monde culturel français. Après-guerre, vous le savez peut-être tous, la Croix du Sud va être créée par Roger Caillois. Ça sera la première collection internationale de littérature latino-américaine au monde, il faut le dire. Jamais la littérature latino-américaine n'avait eu une collection internationale comme celle-ci. C'est la première. Et c'est là qu'on va retrouver des figures comme Borges. On va retrouver tous les groupes de la revue Sur qui va arriver en France. Puis, dans les années 60, nous retrouverons à l'intérieur de la collection du monde entier une grande figure comme Cortázar, qui se trouve en France, qui va accompagner Borges. Et dans les années 90, c'est moi-même qui ai voulu ajouter à ces deux grandes figures de Cortázar et de Borges la figure de Ricardo Piglia, qui malheureusement est disparu il y a quelques années, et dont nous avons pu publier quand même quelques titres. Je ne merci. Parle pas des ouais, poètes. Ouais, mais merci Gustavo, je vais t'interrompre pour laisser la parole aux autres aussi. Merci pour cette présentation, mais on reviendra évidemment sur les échanges et sur les noms des auteurs qui sont très installés dans nos pays. Je voudrais céder la parole à Anna Galdeano de Siglo XXI, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Anna, il faut remettre le micro. Merci beaucoup. Désolé. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir participer à cette rencontre. Je travaille chez Siglo XXI Argentine depuis 15 ans. Dès le début, à peu près à la moitié des années 60, c'est consolidé comme un projet très lié à la traduction. Nous avons traduit le corpus canonique du structuralisme français, et ce sont des auteurs qui encore aujourd'hui ont une œuvre vitale et bien vivante pour nous. Je parle de Lacan, Foucault, Barthès, Pierre Bourdieu, Lévi-Strauss. Donc cette vocation liée au projet d'édition, cette vocation de traduction, est vraiment constitutive de notre maison et arrive au présent. Et ceci vient de façon spontanée, car beaucoup des auteurs et des éditeurs, des auteurs de collection qui sont des anthropologues, des historiens, des spécialistes en théorie politique, beaucoup d'entre eux ont suivi leur formation doctorale en France.
Et donc, les liens avec les réseaux intellectuels, les projets intellectuels, théories courantes en France, ces liens sont constants, aussi bien à travers l'équipe d'édition étroite ou l'équipe éditoriale au sens le plus large, ces liens avec le domaine académique français est très marqué. Nous publions à peu près 50 titres par an, 50 nouveautés par an. Un tiers de ces nouveautés sont des traductions, surtout de l'anglais et du français, et de façon plus marginale, disons-le comme ça, de l'italien et de l'allemand. Et bien sûr, cette proportion varie en fonction du contexte économique. En Amérique latine, les époques de crise ont un impact très important et sont une contrainte de notre capacité pour assumer des risques. Et par contre, malgré tout ceci, nous sommes toujours très attentifs pour sauver un peu la situation, car nous croyons que ne pas traduire, en quelque sorte, appauvrit notre projet éditorial. Donc, pendant cette période de pandémie, je vous raconte brièvement quelle a été notre situation. Nous avons eu un deuxième trimestre de l'année très dur, avec une chute des ventes ici et des exportations, bien sûr. Mais à partir du mois de juillet-août, les ventes ont repris leur rythme et nous reprenons toutes les conversations qui étaient en pause avec des maisons d'édition françaises, des contrats qui étaient presque confirmés mais qui avaient étaient en quelque sorte en suspens. Nous avons repris tout ceci. Et une chose positive de cette situation en Argentine, c'est que les librairies ne sont pas fermées. Elles ont très bien résisté l'impact de la pandémie, surtout le circuit de librairies indépendantes, qui même ont augmenté leurs ventes et leurs rapports avec les voisins. Ce sont des librairies de proximité. Et c'est peut-être les grandes chaînes qui ont subi l'impact le plus important. Et malgré tout ceci, nous savons qu'il y a des chaînes qui peut-être ne renouvellent pas des contrats de location, mais ceci n'équivaut pas à une fermeture totale. Donc, ce que nous voyons, c'est un horizon de récupération. Nous sommes à peu près à 25-30% en dessous de l'année dernière en volume d'exemplaires, mais vraiment, il y a une récupération soutenue. Un scénario assez positif. Tant mieux. Réjouissons-nous de cet optimisme que nous essayons de partager un petit peu partout dans le monde à l'approche des vaccins qui vont commencer, en tout cas au Royaume-Uni, dès la semaine prochaine. Je vais donner aussi brièvement la parole pour que deux agences bien connues se présentent, et en l'occurrence deux agentes. Je vais donner d'abord la parole à Gloria Gutiérrez, qui va se présenter et présenter évidemment l'agence Carmen Balsès. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci de m'accorder l'occasion de participer à cette rencontre. C'est très intéressant et aujourd'hui plus que jamais. L'agence Carmen Balcells est une des agences les plus anciennes en langue espagnole. Elle existe depuis presque 70 ans, si je calcule correctement. Je ne me souviens pas tout à fait, mais c'est une agence une agence très solide qui a toujours eu un rapport étroit avec la France et avec l'Argentine et avec toute l'Amérique latine. Et ce contact a été très intense et toujours continu. Carmen Balcells a démarré comme agence en représentant des maisons d'édition étrangères. Certaines étaient françaises, en fait. Moi, je travaille ici depuis 37 ans. Et toujours, ma perception a été que les rapports avec la France, les rapports de la vente de nos auteurs
des droits de nos auteurs vers la France a été constante et très intense. Donc depuis très très longtemps, il y a de grandes figures indiscutables en France, qui sont publiées en France, aussi bien de l'Espagne que de l'Amérique latine, parmi ceux qui sont dans notre agence, et d'autres aussi, d'autres auteurs, peut-être pas si connus, mais qui ont toujours été publiés de façon constante en France. Peut-être après, on pourra en reparler, je vous donnerai quelques exemples. Ce n'est peut-être pas le moment maintenant. En réalité, parmi nos auteurs, se compte Vargas Llosa, García Márquez, Isabel Allende, trois auteurs qui sont des poids lourds, évidemment. Et peut-être parmi ceux qui ne sont pas si connus ou si reconnus, mais qui sont aussi des figures fondamentales et avec une grande continuité en France, se trouve Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Rosa Montero et un long etc. C'est drôle de voir à chaque fois qu'on vous donne la parole pour vous présenter, en fait, très rapidement, et c'est très compréhensible et en même temps très enthousiasmant, vous parlez des auteurs. Et on vient rapidement à parler du livre. Peut-être il ne fallait pas. Très bien. Je vais parler maintenant de la situation, c'est ce qu'il fallait faire. Donc pendant cette année, pendant cette pandémie, nous avons fonctionné pratiquement avec une complète normalité. Donc dès le premier jour du confinement, nous avons tous travaillé à distance, mais très connecté, bien connecté à travers un système qui marchait très bien, avec, disons, comme si nous étions dans notre bureau, donc très connecté entre nous. Évidemment, le contact humain nous manquait, entre nous, mais bon, entre les collègues de l'agence, et aussi, évidemment, un contact avec les éditeurs et les auteurs, bien sûr. Nous avons appris à faire fonctionner la machine avec différents outils comme le Zoom, les visioconférences sont constantes, des réunions parfois des réunions aussi présentielles. Avant l'été, au moment du déconfinement, nous avons décidé d'ouvrir aussi l'agence, mais avec, disons, un petit groupe de 2-3 personnes. Le reste, nous y allons quand nous avons besoin de quelque chose et l'agence fonctionne de façon normale. Par rapport à l'impact de la pandémie sur la chaîne des maisons d'édition, la chaîne du livre, au début, nous avons pensé que le coût allait être très dur et après, on a observé que tout le monde continuait à travailler. Donc, dans l'agence, on n'a pas perçu une diminution d'activité, de l'activité, par exemple. Et le meilleur, en fait, a été se mettre en contact avec les librairies qui ont été fermées pendant quelque temps, c'est vrai. Mais dans une grande mesure, elles ont commencé à se réinventer pour continuer à vendre des livres. Les librairies ont été très proactives et à vrai dire, très actives fondamentalement, de façon générale. Donc, quand nous avons appris que les librairies avaient une augmentation de lecteurs, ceci a été un des meilleurs moments de cette pandémie, sans aucun doute. Quand nous avons appris qu'il y avait des personnes qui avaient repris leurs habitudes de lecture, c'est quelque chose qui nous devrait pousser à réfléchir et à conserver. Merci Gloria pour cette analyse presque complète de la situation. Je vais demander à Maria Lynch de l'agence Casanovas & Lynch de se présenter sans revenir forcément du coup sur les questions de situation sanitaire. Je crois qu'on a bien appréhendé sur le territoire espagnol. Bonjour Maria.
Oui, bonjour. Moi aussi, je suis bien sûr ravi de participer à cette rencontre. Je suis ravi de voir des visages d'amis. Je me présente brièvement et je présente rapidement l'agence Casanova & Lynch. Nous allons fêter notre 40e anniversaire. Elle a été fondée en 1941 par mon partenaire. Et dès le début, nous avons représenté des auteurs, espagnols et latino-américains avec une partie considérable d'auteurs argentins dès le début. Moi, je suis fille d'Argentin, donc j'ai un lien très important avec le pays et avec Buenos Aires. Ma grand-mère était aussi écrivaine, donc j'ai une certaine connexion avec la littérature de l'Argentine. Et je crois que bon, tout le monde a parlé un peu de la situation sanitaire. Moi, j'ajouterais qu'en mars et avril, pendant le temps décrit par Anna, des librairies fermées, les maisons d'édition ont cessé de publier des livres. J'ai vu qu'il y avait vraiment un arrêt structurel. Les éditeurs espagnols et étrangers ont dû programmer à nouveau toute l'année complète, et distribuer les livres qui n'avaient pas été publiés en avril et pendant la moitié du mois de mai, et réduire aussi un peu les publications. Et donc c'est un temps que nous, au sein de l'agence, nous avons profité pour développer d'autres marchés comme l'audiovisuel. Mais comme disait Gloria, le travail de l'agence peut se faire parfaitement à distance avec un bon système informatique. Nous avons maintenu le contact avec les maisons d'édition étrangères et espagnoles. Effectivement, les salons nous ont manqué beaucoup. C'est un autre aspect qui n'a pas été mentionné encore, mais je crois qu'il est bon. Les salons sont, c'est une question fondamentale pour le secteur. Et si la pandémie se rallonge, il faudra trouver une formule pour remplacer ce contact humain qui est capital au moment de parler de droit et de communiquer sur les livres. Bon, en somme, c'est un peu ma situation. Je crois que tout le monde a déjà tout dit presque sur le reste de la situation. C'est la difficulté de parler en dernier. Désolé, Maria, mais on va vous associer au reste de la discussion naturellement. Maintenant qu'on a fait les présentations, que ça a duré quasiment la moitié du webinaire tel qu'il était prévu à l'origine, je vous propose qu'on aille rapidement vers le... Un des sujets évidemment fondamentaux, c'est la manière dont vous, dans chacun de vos pays, vous percevez l'intérêt de la production des autres, et quels sont les auteurs, les styles d'ouvrage qui sont les plus connus, évidemment, avec un focus sur les auteurs les plus contemporains. Pour ça, je vais peut-être demander à Ana Galdeano de Siglo XXI en Argentine de bien vouloir nous dire de quelle manière elle perçoit, comment elle reçoit les productions françaises, par exemple, de sciences humaines et sociales en Argentine. Vous avez tout à l'heure parlé les uns et les autres de ces grands auteurs des années 70 et 80 qu'on nomme en mauvais français la French Theory. Est-ce qu'il se passe quelque chose après Foucault, Derrida ou Bourdieu? On l'espère tous. Il faut rebrancher votre micro, voilà. Oui, vraiment, c'est parfait. Ta question est parfaite car ça me permet de rebondir avec une anecdote quand nous avons voyagé en 2013 au Salon du Livre à Paris. L'Argentine était le pays invité à l'occasion et nous avons tenu une réunion avec la responsable de droit étranger de Gallimard, Anne-Solange Noblet. Et nous avons alors posé une question qui était fixe dans notre
nos esprits. Quand est-ce qu'on va publier le 4e tome d'Histoire de la sexualité de Foucault? C'était le livre qui concentrait toutes nos attentes. Et Anne Solange nous a posé la même question que tu viens de poser. Est-ce que... Elle nous a dit, oui, mais voyons. Voyons voir. Regardez notre catalogue. Il y a une vie après Foucault. Il y a des collections, des auteurs, des sujets différents. Et alors, ceci me permet de parler des tensions que nous devons aborder au moment de décider les contrats. Car bien sûr, l'objectif consiste à trouver un équilibre entre publication de classiques contemporains, des auteurs qui sont déjà bien installés, qui sont très connus, et des auteurs qu'on pourrait appeler d'avant-garde. Car même dans les sciences sociales et humaines, on peut aussi parler de travaux plus expérimentaux, qui poussent les limites de ce qui est connu et qui sont caractérisés par une imagination conceptuelle très créative, et c'est ce qui apporte de la nouveauté au champ de la connaissance. Le problème, c'est que, disons qu'avant, il y avait beaucoup plus de temps pour entre guillemets, installer des livres. Mais étant donné la rotation si rapide dans les librairies, il est plus difficile de donner une visibilité prolongée aux livres. Nous sommes une maison d'édition de catalogue, de telle sorte qu'en moyenne, nos livres vendent 400, 600 exemplaires par an. Et ceci, c'est suffisant pour nous. Mais c'est difficile de maintenir dans le catalogue des livres avec peu de rotation, avec peu de ventes, car quand nous commençons à récupérer les investissements, les contrats arrivent à leur échéance, et alors il faut reprendre le renouvellement de ces contrats. Et en parlant de cette tension entre les auteurs classiques et les auteurs plus contemporains, pour ainsi dire, pendant des époques économiquement solides, nous pouvons assumer beaucoup plus de risques. Et en époque de restriction, il est très difficile, car quand la période est compliquée, nous faisons notre travail professionnel et artisanal est restreint. Et il faut faire aussi un travail très artisanal pour la diffusion et la communication des livres sur les réseaux, sur les radios. Quand nous essayons de faire débarquer sur le marché de l'Amérique latine un auteur peu connu, normalement, il y a un prologue qui est écrit par un auteur qui est une référence locale pour ouvrir un peu les portes, aider à ce débarquement. Et parfois, même avec cet effort et cette conviction éditoriale, les résultats ne sont pas spectaculaires. Loin de ça. Mais du coup, pour lutter contre cette espèce de best-sellerisation qui frappe toutes les maisons d'édition de tous les pays avec des logiques commerciales et économiques très, très puissantes, comment envisager de contrer un tout petit peu ça? C'est-à-dire que tu as besoin de plus d'informations que par le passé, plus d'arguments marketing. Où est-ce que finalement c'est le début de la fin? Non. Je crois ce n'est pas le début de la fin. C'est tout simplement un espace où il faut apprendre à travailler. Et quand j'ai débattu avec Matteo de l'Institut français de Buenos Aires sur cette rencontre, la conversation a été très enrichissante, car je crois que effectivement avoir plus d'informations d'auteurs de poids en France, en l'occurrence, nous aiderait, car même si nous sommes attentifs aux nouveautés et à la répercussion de ces nouveautés sur le champ culturel français, malgré tout ceci, avoir des informations supplémentaires sans doute nous aide, nous oriente. En pensant un peu au format et aux auteurs,
qui marchent bien, qui ont plus de possibilités en dehors des classiques. Là, je dirais que d'un côté, il y a un certain besoin d'ouvrages de référence, de synthèse, c'est-à-dire ces auteurs devraient quitter un peu le domaine hyper spécialisé et il faut aborder de panoramas plus larges pour permettre les lecteurs d'aborder d'autres champs plus ouverts. Et donc là, il y a un espace fécond pour y travailler. Par exemple, nous publions un livre de Philippe Corcouf, un panorama des courants actuels de la sociologie. Et ce livre, on pourrait dire que vraiment, il a démarré, il a décollé, il a très bien fonctionné. Corcouf n'était pas un auteur très très connu, en dehors des circuits académiques. Et par contre, ce livre vraiment a quitté le circuit fermé et a atteint un public plus large d'étudiants de différentes disciplines. Puis les essais ou les livres d'intervention, mais ce type d'intervention qui porte un regard plus large sur la conjoncture et non pas un regard étroit et épuisé, pour ainsi dire, ces livres, normalement, fonctionnent aussi, fonctionnent très bien, et nous continuons à publier, publier François Trouvé, Enzo Traverso, Alain Badinou. Donc ce sont des genres de l'essai, de l'écrit d'intervention, pour ainsi dire. C'est un volet solide, et ceci en plus est étayé par des auteurs qui sont reconnus. Et je crois que ce type d'ouvrage de synthèse, ces essais, sont des chemins vraiment pleins d'espoir. Et pour... Oui, si. Pardon, Anna, je t'interromps alors que vraiment le propos est extrêmement intéressant. Évidemment, ce sont les tendances qu'on voit aussi sur d'autres marchés, notamment le marché français, d'avoir ce goût, d'avoir des synthèses. On va passer, Anna, tu pourras intervenir un petit peu plus tard, on va passer à Anna Esteban de Tousquet, qui peut-être nous décrire un peu la même chose, c'est-à-dire sa réception, la production française, mais cette fois peut-être plus en sciences humaines et sociales, mais plus dans le domaine de la littérature en Espagne. Anna? Maintenant? Si. Oui. Se me oye? Oui. Bueno, arranco. Très bien. A ver. En Espagne, je crois que la littérature française est largement connue, admirée. Les lecteurs jouissent de cette littérature. Et quand je préparais aujourd'hui un peu l'intervention de cette rencontre, je me demandais comment décrire la littérature française en quelques mots. Mais si je dis que des auteurs comme Houellebecq, Delphine de Vigan, Chénos, Amélie Nothomb. Ce sont des auteurs très très connus et bien édités ici en Espagne, donc je crois qu'il ne faut pas en reparler et faire une thèse sur la littérature française et son impact. Mais je peux établir un lien, par exemple, avec la rentrée en France, comment elle est perçue de ce côté des Pyrénées. Les maisons d'édition espagnoles sont très attentives au prix, par exemple. Avant et après, nous lisons tous en français, comme des fous, et nous sommes très très attentifs à votre calendrier, même si ce n'est pas le nôtre exactement. Et par rapport à des sujets, car je ne veux pas prendre trop de temps, mais j'ai l'impression qu'il y a deux ou trois points de la littérature française qui sont bien enracinés ici en Espagne, concernant non seulement le nombre de lecteurs, mais aussi au moment de créer une narrative en Espagne, une tradition. Par exemple, un de ces sujets,
Et par exemple, une certaine perméabilité entre la fiction et la non-fiction. Je m'explique, du style Carrière ou Vuillard, chacun avec un verre avec des personnages et d'autres avec l'histoire. Je crois qu'en Espagne, grâce à ceci, aidé par d'autres auteurs, évidemment, qui parlaient de la guerre civile espagnole, etc., ensemble, ils ont créé une école, une tradition de non-fiction narrative très intéressante et qui vraiment donne ses fruits. Un autre sujet qui a eu une grande influence, c'est les auteurs, les femmes auteurs, la vision des femmes. Donc nous redécouvrons Annie Ernaux, par exemple. Gustavo Guerrero, c'est de quoi je parle. Il y a toute une génération de jeunes auteurs espagnols, de femmes, qui l'ont prise comme une référence. Et donc, je crois que non seulement nous lisons les grands classiques contemporains des auteurs actuels français, mais en plus, vraiment, ceci rentre, s'enracine dans la littérature espagnole. En plus, j'observe d'autres tendances, mais peut-être elles ne sont pas tellement liées à la littérature en français, mais en général, cette pandémie et les dernières années ont accentué certaines tendances, mais je ne veux pas... avant de m'arrêter, cette année a été une année terrible pour les nouveaux auteurs étrangers. Comme il n'y a pas eu de promotion, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de voyage. Il y a vraiment toute une culture de la proximité, du contact direct. Ces nouveaux auteurs ont été les plus atteints. Nous avions une auteure française programmée pour l'automne et nous avons décidé de la journée de sa publication, car c'était un peu comme jeter un livre à la poubelle. Donc, c'était un peu confié au hasard. Il faut évidemment, au moment de la promotion, inviter l'auteur. Il faut faire tout un investissement. Donc, je ne sais pas si j'ai plus de temps, je pourrais en reparler, mais c'est un peu ma vision. Non, mais il est sûr que pour un premier roman, faire de la promotion sur Zoom ou sur Teams, c'est compliqué. Oui. Et certains l'ont expérimenté. Évidemment, ça reste difficile. Merci beaucoup, Anna. Gustavo, on a parlé tout à l'heure de l'histoire ancienne. Entre la littérature hispanique et l'édition française. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans la production espagnole argentine actuelle, si j'imagine que c'est souvent des voix originales que tu recherches pour Gallimard? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant que tu perçois dans la production espagnole et argentine aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a une explosion, pour le dire ainsi, de femmes, de voix féminines, aussi bien en Argentine qu'en Espagne. Aujourd'hui, nous assistons à un moment où les femmes ne prennent plus la parole, ils prennent la plume, ils écrivent, et ils sont en train de donner un profil très différent aux littératures qui se font aujourd'hui en langue espagnole. Je peux donner l'exemple de Mariana Enríquez, par exemple, en Argentine. Je peux donner l'exemple aussi de Samantha Schoeblin, de Maria Gainza, de Selva Almada, de femmes aussi espagnoles comme Elena Medel, par exemple. Nous avons une explosion, je le dis, la mexicaine Fernanda Melchor, c'est-à-dire on a des voix exceptionnelles qui sont en train d'émerger en ce moment dans le monde hispanique, dans tous les pays, pas seulement en Espagne, en Argentine, au Mexique, au Venezuela aussi, par exemple, Karina Sainz-Borgo, on a toutes ces voix qui sont en train d'émerger. Et je pense que c'est les grands moments des voix féminines pour la langue espagnole. C'est ça que j'observe comme le plus puissant en ce moment. Et je crois que c'est un phénomène qui ne doit pas passer inaperçu en France. On devrait essayer de le mettre plus en lumière, cette explosion féminine. Et il y a une autre chose que je veux dire, si tu me permets deux secondes, Nicolas, par rapport à ce qu'a dit Anna. Je crois que nous sommes tous confrontés au problème du temps des rotations du livre en librairie est très court.
nous sommes, moi je suis comme Anna, confronté au problème de la gestion d'un fonds traditionnel très important et en même temps de la introduction de nouvelles voies, ce qui n'est pas toujours facile. Et je crois qu'il y a quelque chose que Anna a mentionné et qui pour moi a été important aussi comme stratégie pour relancer de nouvelles voies, c'est l'appui local. C'est-à-dire essayer d'établir plus de liens, comme on l'a déjà eu par le passé, entre les écrivains français, les écrivains espagnols et les écrivains argentins. Si on pouvait faire plus souvent ce que j'ai fait, par exemple, avec Rulfo et le Clésio, parce que le Clésio a écrit une préface pour Rulfo. Rulfo est devenu le grand écrivain qu'il a toujours été en langue espagnole en France, alors qu'il était un écrivain plutôt méconnu. Si on pouvait faire ça plus souvent, Nicolas, si on pouvait faire se rencontrer les écrivains espagnols et les écrivains français, si on pouvait tisser ces liens comme on les a eus par le passé, je pense que les relais que les écrivains français pourraient donner aujourd'hui aux littératures hispaniques seraient fondamentales pour l'installation, non seulement des vieux écrivains, mais des écrivains jeunes qui commencent à émerger aujourd'hui. Je pense que ça c'est un point que Anna a souligné, que je crois que c'est je prends note. Une des pistes qu'on doit suivre. Parce que par le passé, il y avait plus de liens, j'ai l'impression, entre les écrivains des deux parties. Mais si je peux ajouter, quand je parle avec Eric Bouillard, quand je parle avec elle, et je lui dis à qui envoyer ce livre, à qui le dédicacer. Et il me dit une longue liste d'auteurs espagnols qui se connaissent entre eux, Javier Marías, Javier Cercas, Ignacio Martínez de Pisón. Donc, au moins, dans certaines zones, c'est vrai que ces liens existent. Ce sont des amis, et chaque fois qu'il vient, il les rencontre. Mais c'est vrai qu'il faut promouvoir ceci davantage, je suis d'accord, il faudra en parler. En tout cas, on le voit en ces temps de pandémie, il est aussi plus difficile d'installer de nouvelles voies. Gustavo, je crois, a écrit récemment que le mot qu'il préférait en espagnol, c'était persévérance. Je crois que ça n'a jamais été autant d'actualité. Peut-être on va parler maintenant de l'autre aspect, c'est-à-dire on a parlé de vous, éditeurs, vous faites des acquisitions. Maintenant, on va parler peut-être des vendeurs de droits. Et j'aimerais, je serais assez curieux d'avoir l'avis de Gloria Gutiérrez et Marianne Lynch pour parler des styles d'ouvrages, des auteurs qui selon elles, se vendent bien, pour parler de la littérature espagnole et argentine, comment elles perçoivent. Gloria, avec beaucoup d'expérience accumulée, nous disait tout à l'heure qu'elle était dans ce secteur depuis 37 ans. Peut-être que Maria aura un regard un petit peu différent, je ne sais pas, ou peut-être pas, parce que vous êtes toutes les deux aussi de très grandes professionnelles. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir de grande divergence entre vous. Comment vous percevez donc cette littérature espagnole et argentine pour la vendre à l'étranger? Peut-être commençons par Maria cette fois. Comme point de départ entre l'Espagne et la France, il y a toujours eu de grands liens, une lecture dans les deux sens. Et plutôt pour les auteurs espagnols plutôt que les latino-américains, je crois qu'il y a des liens plus forts entre les écrivains qui écrivent en espagnol de l'Espagne. Moi, je représente Javier Marías, par exemple, et il a toujours été très lu et bien lu en France. Et c'est un des pays où nous célébrons toujours vraiment ces rapports, et nous voyons que le fond, le contenu est toujours très bien compris en France d'un point de vue littéraire et d'un point de vue historique. Je crois que à cet égard, il y a une longue tradition aussi. Il y a Javier Cercas. Il y a des liens très forts et aussi d'auteurs français qui sont lus en France. D'auteurs français qui sont lus en Espagne, pardon.
en rebondissant sur ce que disait Anna Esteban, c'est très intéressant, sur le fait de la littérature française qui a brisé en quelque sorte les modèles de la fiction, les frontières de la fiction, la non-fiction, la biographie, l'autobiographie, le journalisme narratif, ce que fait Cercas un peu aussi en Espagne. Un des livres avec lesquels j'ai eu un plus grand succès en France, c'est Ordesa de Manuel Vilas, et qui a gagné le prix Femina, qui a été un succès de critique et de vente même avant le prix. Et après, le prix m'a consolidé ce succès. Et c'est un livre qui, précisément, ne peut pas être classé dans aucun genre. C'est un roman autobiographique très lié à l'expérience personnelle de Manuel. Manuel est un poète très reconnu aussi en Espagne. Et Ordesa, en particulier, est un roman qui s'inspire beaucoup de sa poésie et a un traitement littéraire très proche de la poésie, très lié aussi avec Annie Ernaux et la façon dans laquelle Annie Ernaux transforme en roman sa propre expérience. Et ceci me pousse un peu à vers là où nous avons eu plus de succès avec nos auteurs. Et c'est un domaine où les genres se mêlent un peu, sont un peu confondus. Maria Reinza, nous en avons parlé avant, de cette auteure argentine, dont le livre est un hybride entre roman, conte, essai sur l'art. Mariana Enriquez, on en a parlé aussi, qui utilise le genre de terreur pour construire des fictions qui ont un contenu politique très fort. Et donc, le public lecteur et le secteur de l'édition français ont été très souples et très habiles au moment d'intégrer une des grandes richesses, selon moi, de la littérature en langue espagnole, et surtout celle qui provient de l'Amérique latine. Gustavo a mentionné aussi plusieurs auteurs argentines, en plus de Enriquez et Gainza, que je représente, comme Schöbling, Dolores Reyes, Selva Almada, qui ont une vision différente de la tradition narrative du XXe siècle, et où il y a des voix très intéressantes. Je voulais ajouter aussi je voulais aussi féliciter aussi le lecteur français, le lecteur français, car je représente des auteurs comme Rodrigo Freixan, et c'est là, en France, il est très, 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 très bien accueilli. Donc, le public lecteur français est un public de qualité qui apprécie vraiment la littérature en langue espagnole en dehors de ce qui est des titres communs ou des titres plus connus. Merci beaucoup, Maria. Pardonne-moi de t'avoir coupé. Tu sais, les Français coupent souvent la parole. Gloria, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, évidemment, j'imagine, à ce que vient de dire Maria sur ta perception. Maria dit quelque chose que je voulais dire tout de suite, mais enfin, elle l'a déjà dit. Lo refrendo 100%. Je suis à 100% d'accord avec Maria. Nos auteurs espagnols et hispano-américains sont jaloux de l'establishment littéraire français, la critique française, la réception des grands auteurs, de la littérature en majuscule. C'est une chose qui est très particulière, très caractéristique de la France. En plus de la structure ou des structures étatiques, publiques, qui accordent beaucoup d'importance à la culture, ceci en général en France, c'est notre perception, au moins, vue de l'Espagne. Concrètement, la critique littéraire française est quelque chose de très apprécié. Nous, les agents, nous l'apprécions beaucoup, et les auteurs aussi.
considère la critique très, très importante. Nos auteurs, quand ils se déplacent en France, les rencontrent, les tables rondes, en librairie, avec d'autres auteurs, vraiment, ils reviennent enthousiasmés. Donc, nous avons vraiment beaucoup de cas différents, de grands ouvrages et beaucoup d'expériences éditoriales en France. Certaines expériences merveilleuses, comme celle de Jaume Cabré avec Actes Sud, qui a vécu un succès spectaculaire, où il a été aussi très très bien compris. C'est un des pays où il a été où un roman a été le mieux compris, un roman important comme Yo Confieso, c'est en France. Cercas, nous le représentons aussi, il est un grand auteur pour la France, il a reçu de nombreux prix, il a été très bien accueilli, on a publié beaucoup d'articles sur Cercas, c'est une voix qui est écoutée, et non seulement ceci, Samantha Schwebling, par exemple, que mon ami Gustavo publie en France, aussi a été accueilli de façon spectaculaire. Et c'est quelque chose que vraiment a beaucoup de valeur pour nous. Un autre sujet que je voulais aussi aborder, car il s'agit de connaître les tendances, je suis absolument d'accord avec mes collègues en ce qui concerne le féminisme, les œuvres, les voix des femmes et sur les sujets qui concernent surtout les femmes, par exemple la maternité. C'est un sujet qui peu à peu s'impose et ce n'est pas uniquement en France, mais c'est mondial, c'est planétaire. Mais en France, je dois dire que non seulement il y a un débarquement de femmes écrivaines, mais en fait, ceci existait déjà avant. Rosa Montero est très bien comprise et très bien acceptée en France. Et elle a une audience remarquable. Une autre chose que je voulais dire, Anna Maria Matute, depuis des années, a été récupérée en France par Édition Phébus. C'était une femme, elle était une femme qui n'était pas une nouveauté à l'époque, mais quelqu'un, un éditeur, a très bien compris son importance et l'a présentée. Et la critique a été merveilleuse. Donc ceci vient de loin et maintenant, bien sûr, ceci commence à se généraliser. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. J'ai d'autres choses à dire, mais peut-être que j'aurai d'autres opportunités. Podríamos realmente estar aquí muchas horas. Muchas horas. On va essayer de traiter un peu toutes les questions et donner la parole à tout le monde. Merci beaucoup. Gloria, je voudrais donner la parole à Paolo Cosin pour parler peut-être des spécificités des sciences humaines et des essais espagnols. Quel est son regard sur les atouts de cette création. Oui, je vais essayer d'être bref. En premier lieu, un message aux maisons d'édition françaises, et c'est que l'héritage des classiques a été reçu et bien compris, et donc l'image des publications, je parle de sciences sociales, d'essais, je crois qu'Anna Galdeano de Siglo XXI sera d'accord avec moi. Donc, ceci a été bien reçu de la part des éditeurs indépendants espagnols, c'est-à-dire nous continuons à réviser et à réviser ce qui est publié en France. Et en fait, nous sommes encore imprégnés par des auteurs comme des sociologues qui ont vécu mai 68 et qui habitaient à Paris. Récemment, j'ai publié un livre sur Paris, car il y a vraiment une grande demande pour savoir ce que Paris
quelle était l'influence de Paris sur les auteurs. Ceci de mon expérience chez Morata. Et je peux vous raconter une anecdote chez Foucault, un des auteurs de Morata, avec une cigarette. En fait, j'ai laissé une cigarette dans un cendrier. Et en fait, c'était un prix, qui reconnaissait l'œuvre de Foucault. Donc, nous continuons à publier des auteurs français et nous allons continuer à le faire, évidemment. Il y a quelque temps, j'ai publié un livre de Stéphane Aurel, un prix de communication par Le Monde, qui parle des lobbies et de la lobbytomie. Et ça a été très compliqué de trouver un espace dans les médias pour faire connaître ce livre, car les médias en Espagne s'occupent avec d'autres sujets. Et donc, c'est une des grandes difficultés que nous trouvons comme éditeurs. Un autre problème, c'est que pour faire des traductions, nous avons besoin d'un soutien financier. Et la COVID a détruit la situation financière, surtout pour des maisons d'édition petites qui vendent beaucoup en Amérique latine. Nous parlons de reprise du marché en Espagne, des librairies, mais l'Amérique latine est beaucoup plus grande que l'Argentine, évidemment. Et donc, au début de la pandémie, nous avons subi une coupure des paiements, par exemple, en provenance du Mexique. Et donc, ceci... Pardonne-moi de te déranger, mais là, effectivement, tu reparles plutôt du premier sujet. Et j'entends bien que c'est des sujets extrêmement d'importance, est-ce que peut-être tu peux plus insister sur la création éditoriale de sciences humaines et dans les essais j'imagine bien que la pandémie a nourri beaucoup de ces sujets. Oui, j'arrive. C'était uniquement pour créer un contexte. Donc, la situation de besoins financiers. Pourquoi en Espagne nous traduisions? Pourquoi nous portons intérêt aux œuvres étrangères? Car nous avons la possibilité d'atteindre le public en espagnol. Nous pensons aux ventes en Espagne, mais aussi, avec les traductions du français vers l'espagnol, aux ventes dans l'Amérique latine. Et ceci rend possible cette aventure. Et c'est pour ça que nous sommes plus axés sur la traduction du français vers l'espagnol. Et ceci a enrichi énormément les publications en espagnol. Donc, je veux souligner l'importance de la santé des publications françaises, l'intérêt que portent les Espagnols à la publication d'œuvres françaises et le soutien financier nécessaire. Nous avons traduit plutôt du français vers l'espagnol pour la diffusion en espagnol en Amérique latine, mais on ne regarde pas la richesse culturelle et de publication du marché espagnol vers le français, en l'occurrence. Et je crois qu'il y a une grande difficulté de visibilité pour les petites maisons d'édition, c'est-à-dire l'espace dans les librairies est très réduit pour ces maisons d'édition, et donc les 200 et quelques maisons indépendantes de Madrid, nous n'avons presque pas d'espace, de rayon dans les librairies. Récemment, j'ai publier une nouveauté et en fait, je n'ai pas où la placer. Et je dis ceci car les personnes qui cherchent des publications intéressantes doivent aller au-delà un peu des maisons d'édition de référence, des grandes maisons d'édition. Merci Pablo, et désolé de t'avoir interrompu. Je crois qu'on a bien compris évidemment le sens de ton message. Je vais finir sur cette séquence en donnant la parole à Maria Vlachou des éditions du Seuil, et pour qu'elle parle peut-être justement de cette création ces derniers temps en littérature, sciences humaines et sociales du côté de l'édition française, et peut-être sa spécificité, s'il y a des spécificités, puisque on le voit bien là, il y a un certain nombre de thèmes, de préoccupations qui se recoupent d'un point de vue international, l'émergence de beaucoup de voix féminines, et je pense que c'est effectivement, ce n'est pas une tendance, c'est un mouvement de fond, et puis des sujets bien plus liés à la conjoncture et notamment à la crise sanitaire. Maria ? Donc je vais commencer par la fiction, enfin par la littérature, en disant qu'effectivement les auteurs qui sont bien installés sont les auteurs qui ont déjà tracé leur chemin au Seuil ou même voilà, chez Gallimard, Agota Christophe, Georges Perec, Camus, Beauvoir, Yourcenar,
Et les auteurs aussi qui sont primés, on en a beaucoup parlé, comme Tesson, L'Ecclésion, Mabankou, Jean-Claude Grandbert. Donc, je n'ai pas ça parce que ça, c'est des choses que tout le monde sait. Mais effectivement, il y a des jeunes auteurs comme par exemple Kaouté Hadimi ou Chloé Delhomme, dont la réputation, effectivement, devient de plus en plus importante. Je citerai aussi l'œuvre romanesque très remarquée en Argentine et en Espagne de l'islamologue Rachid Benzine. Je passe très vite aussi la non-fiction parce que ça a été dit et redit, c'est l'histoire, la philosophie et la psychanalyse, si je peux résumer. Je vais juste donner quelques noms pour l'histoire. Pastoureau, Ariès, Jacques Le Goff, Pierre Rosanvallon ou Thomas Piketty, voilà, qui est un cas exceptionnel. Les ouvrages ambitieux aussi d'histoire qui ne font pas peur aux éditeurs, ça aussi il faut le dire. Les philosophes, effectivement, tu as parlé, Nicolas, de Michel Foucault, Derrida, donc je ne vais pas redire tout ça. Peut-être ce que je. Ce serait intéressant de dire, c'est qu'il y a de nouvelles formes littéraires qui se dessinent de plus en plus en France et qui attirent l'attention de nos confrères espagnols et argentins. Je parle notamment, je pense aux contre-enquêtes ou enquêtes littéraires ou récits littéraires sur des faits divers. Je parle par exemple d'Yvan Jean Blanca et de son ouvrage Laetitia. Je parle de Didier Fassin, qui a écrit un récit tout à fait expérimental intitulé « La mort d'un voyageur ». C'était l'un des livres les plus importants, à mon sens, de 2020. Même dans la littérature « Un crime sans importance », le récit d'Irène Frein était un récit autobiographique sur un fait divers. Je trouve que là, il y a une certaine liberté, un courage de franchir les limites. Et une honnêteté qui est de plus en plus appréciée. Il y a aussi un fort intérêt pour la narrative non-fiction. Tout a été déjà dit avec parfois une thématique écologique. Judith de Gallimard m'a bien parlé d'un livre « Croire aux fauves » qui a été publié chez Ratana Touré. Je pense que c'est-à-dire sortir d'un certain genre de confort littéraire et du cadre de cette forme prédominante qu'est le roman est quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Donc, tout a été dit, je ne veux pas vraiment. C'est aussi l'inconvénient d'arriver à la fin quand on est le dernier panéliste à être interrogé. Alors, très, très rapidement, parce que je voudrais avoir pitié des traducteurs qui sont déjà sur le pont depuis bien longtemps, je voudrais vraiment qu'on arrive à vous donner la parole vraiment 2 minutes chacun, mais pas plus, même peut-être un petit peu moins, pour parler de la manière dont vous voyez, vous, la poursuite des échanges, ou plus exactement la reprise des échanges internationaux. Le BIEF a réalisé un sondage il y a quelques jours auprès de ses adhérents, c'est-à-dire une grande partie des éditeurs français qui traduisent ou dont les titres sont traduits à l'étranger. Les deux tiers d'entre eux, plus des deux tiers d'entre eux, enregistrent une très forte baisse des sessions internationales. C'est dû à beaucoup de facteurs que nous connaissons, les décalages de parution, les fermetures sur certains marchés, bien sûr, et puis les foires qui n'ont pas pu se tenir, et vous avez été plusieurs à mentionner la difficulté à conserver, non pas des liens, mais à pouvoir convaincre ses interlocuteurs, et quelquefois les outils numériques n'y suffisent pas toujours ou ne règlent pas tous les sujets. Très brièvement, les uns et les autres, comment est-ce que vous envisagez de
continuer à échanger malgré la crise, même si on espère tous qu'elle va se résoudre prochainement. Est-ce que vous avez mis en place des solutions originales? On voit bien que personne n'a arrêté de continuer à travailler, mais comment est-ce qu'il est possible de faire mieux, et notamment mieux, entre nos trois pays pour y arriver? Alors, je vais vous prendre par ordre d'apparition sur mon écran, ce qui n'est pas forcément le même que vous, et je vais donner la parole à Gloria Gutiérrez, qui va remettre son micro. Pardon. Juste une petite chose qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, mais seulement. Uniquement, je voulais dire une chose importante. Le marché français, le marché des éditeurs français a une particularité, selon moi, qui est assez intéressante, à savoir, ils font beaucoup de renouvellement. Donc, c'est un marché qui sait traiter le fond, les livres du fond, les grands classiques et ceux qui ne sont pas si classiques. Je crois que c'est un aspect qu'il faut souligner, car ce n'est pas le cas partout, pas du tout. Donc, en répondant à ta question sur comment favoriser les échanges, je crois que nous devons continuer à être très, très connectés maintenant et à l'avenir. Actuellement, nous avons presque un an s'est écoulé sans des salons du livre, même si on a fait de grands efforts de façon assez efficace. Les salons, les foires, le tête-à-tête, comme vous dites en français, le fait de parler avec une personne, avec quelqu'un à qui on veut vendre un livre, c'est très différent de le faire en présentiel qu'en virtuel. C'est quelque chose très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir les différentes littératures ensemble? Je crois qu'avoir un esprit ouvert, je crois que le monde en général est assez tribalisé. Je ne parle pas uniquement de la littérature en général. Et c'est quelque chose que, pour nous, ceci est un monde très riche, très varié, et nous devrions l'avoir en tête. Regardez partout, à droite, à gauche, non seulement ce qui arrive dans un point de la planète, un peu jeter un regard partout et voir quelles sont les identifications entre les auteurs de l'Argentine, de l'Espagne et de la France, en l'occurrence. Donc je crois que le monde était déjà globalisé d'un côté, et actuellement, ceci est remis en question par la pandémie. Nous devons faire en sorte que ce ne soit pas le cas, que la communauté intellectuelle, littéraire, soit mieux unie, plus liée. C'est un peu vague, c'est un peu philosophique, mais il faut regarder les points communs au lieu des divergences. Merci. C'est le chemin à suivre. Merci beaucoup, Gloria. Toujours en guise de mini-conclusion, avant qu'on prenne quelques questions de ceux qui voudront en poser, et je vous engage à les poser par la fonction question-réponse, je vais donner la parole à Anna Galdeano. Oui, je souscris ce que vient de dire Gloria. Je crois que dans des contextes difficiles, il faut continuer à maintenir ouvertes toutes les possibilités de dialogue et il faudrait poser vraiment, il faut aborder la situation de façon sincère. Nous sommes tous dans un même écosystème, éditeurs français, argentins, espagnols, agences. Pour nous, c'est fondamental.
Oui, je crois que Gloria parlait du marché français qui sait bien traiter le fonds. Pour nous, la question de laisser ouvert le canal pour parler de renouvellement des contrats, c'est un sujet important car nous voulons continuer à soutenir la publication de ces livres après l'échéance de leur contrat. Pour tout le travail qui a été fait et tout le travail qui doit être fait. Car après l'échéance, il faut relancer le livre. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été investie et il faut continuer à l'investir. Et puis, il faut maintenir aussi la conversation pour ouvrir de nouvelles lignes de communication. Par exemple, ici en Amérique latine, on n'a pas encore installé la question environnementale. Et quand je vois le catalogue des maisons d'édition françaises, c'est un sujet récurrent dans toutes les maisons d'édition. Et je crois que cette tâche doit être abordée. Et Maria a parlé aussi de toute une ligne de narratifs de non-fiction liés à l'écologie, par exemple. Ceci a attiré mon attention. Il y a tout un espace de construction à l'avenir que nous devons aborder et nous ne pouvons pas ajourner. Des rencontres comme celle-ci sont fondamentales. Et je dois aussi souligner, de la part du service culturel de l'ambassade de la France, le soutien au monde du livre et au monde de l'édition, surtout quand il s'agit de publier des auteurs qui atterrissent pour la première fois sur le marché en langue espagnole. Bon, donc il faut continuer à converser. Continuer à parler. Du coup, merci. Anna, comme tu as parlé de Maria, eh bien, c'est la suivante en guise de conclusion. Maria, comment tu ressens les choses? Quels sont les nouveaux peut-être outils que tu as mis en place pour garder ce lien ou amplifier ces contacts avec les partenaires étrangers malgré toutes les difficultés? Tu parles à moi, Maria Blachaud, pardon, excuse-moi, parce que je pense que la clé, en tout cas, pour le métier qui est le nôtre, c'est de peut-être redevenir lecteur et se faire violence parfois pour rester émerveillé. Parce que les catalogues de droits ont justement une mise en page, on est content de les avoir, mais parfois on a envie de présenter les ouvrages autrement et on a envie en fait de faire un focus sur les auteurs et les textes et un peu moins sur les livres qu'en produits physiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même on s'occupe des droits d'auteur et les livres est vraiment la deuxième étape de tout ça. Donc, justement, pour présenter en période de confinement notre rentrée littéraire, mais aussi le programme des sciences humaines, on a fait des affiches. On a essayé vraiment d'enlever tout élément de temporel. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas un seul visuel de couverture. Et puis, il y a les titres des livres et puis les idées de nos auteurs. Et c'était pareil, voilà, pour la fiction. Je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de générosité aussi. Un peu oublier ce côté très répétitif de ce qu'on faisait. Se remettre aussi en question. Ce serait super. J'ai présenté à l'écran des initiatives du Seuil. Merci beaucoup, Maria. Anna Esteban, est-ce que tu veux, en guise de conclusion, nous dire quels sont tes tips and tricks pour continuer à travailler, mieux travailler ensemble? Il faut remettre le micro. Je sais que c'est un gimmick de ces réunions depuis des mois. Ça marche? Bien. Uniquement deux idées. Quand, pendant le confinement, j'ai vu que tout d'un coup, tout le monde
commencer à payer pour être membre de plateformes audiovisuelles, j'ai pensé horreur, c'est la fin. Et quand nous avons quitté, je parle de Netflix, etc. Et quand nous avons quitté le confinement, j'ai reçu des nouvelles qui disaient qu'un film ou une maison de production avait acheté les droits d'un roman. Et alors j'ai pensé, bon, si les plateformes durent, je crois qu'ils ont besoin de nous. C'est ce que je peux dire. Nous allons continuer à travailler pendant quelque temps. Ils ont besoin de nous. Et en plus de cette anecdote, il est vrai qu'il y a eu une augmentation de la demande. Et donc, ceci nous aide. Quand il y a un film dans une plateforme par rapport à un roman. Et finalement, je voudrais dire que la tâche d'institutions comme l'Institution française est capitale pour faire connaître les auteurs français en Espagne. Je m'arrête ici. Merci, Alain. Gustavo, ton sentiment sur, sur tout ça? Mon sentiment sur tout ça, je prolonge un peu les propos de Gloria et de Anna. Tout d'abord, puisqu'on va se quitter, et après, je dois remercier le Bureau international de l'édition française pour ce type d'opération. Je crois que vous avez vu à quel point le dialogue est riche, à quel point le climat est sympa, à quel point ce type d'opération devrait, je dirais presque, s'installer dans les temps et être une espèce des agora où on peut tous discuter de nos problèmes. Nous avons besoin de ça en ce moment, mais je pense que nous aurons encore plus besoin dans l'avenir parce que la fin du confinement, la fin de la période du Covid ne va pas mettre fin à certaines dérives signalées par Gloria, des tribalisations, si je peux me permettre le néologisme, ni des retours des chacun sur soi, sur sa propre langue, sur son propre pays, sur sa propre culture, sur son propre vaccin. On a vu tout ça se déployer ces derniers mois. Pas plus que nous ne reviendrons pas sur la tendance à dire que traduire, ça coûte de l'argent et qu'il faut faire moins de traductions parce que c'est cher. Hein? Donc je crois que c'est très important que des institutions comme le Bureau international de l'édition française et nous qui sommes un peu les acteurs de cet espace international cosmopolite, nous soyons au rendez-vous de l'après-Covid pour donner encore plus d'élan à ces dialogues, à ces échanges et montrer que c'est justement ce type de forums, ce type d'agora que nous sommes en train de créer qui donne aujourd'hui un sens à nos préoccupations planétaires. Parce que finalement, c'est aussi par ces échanges que nous construisons un monde, Nicolas. C'est-à-dire, ça fait partie de notre manière de construire un monde. Et ce qui nous a manqué fortement pendant toute cette période de pandémie, c'est que nous avions le sentiment que le monde en tant qu'horizon commun était disparu et que chacun avait disparu et que chacun était revenu un peu à son petit quartier, à sa maison, etc. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, nous devons être les acteurs de ces portes ouvertes, de ce monde à venir qui doit être encore plus cosmopolite que celui qu'on a quitté avec la Covid. Voilà. Merci Gustavo. Et tes remerciements vont immédiatement aussi auprès de l'Institut français de Madrid et de Buenos Aires qui a complètement co-construit ce programme. Je les remercie mille fois. Paolo Cossin, évidemment, beaucoup a été dit déjà par les précédents intervenants, mais si tu devais retenir une ou deux idées de choses à développer pour redynamiser tout ça. Oui, je crois que la nôtre est un métier de vocation, et ceci brise les
les frontières. Nous sommes unis par notre vocation et cette vocation nous a, ou ces difficultés nous ont poussé à développer davantage les barrières, à abolir les barrières davantage. Et donc, c'est pour ça que je remercie l'Institut français, Action Culturelle, Magali et Ainhoa ont fait possible de nous rencontrer aujourd'hui. C'est un soutien fondamental. Et j'ai publié un livre récemment qui s'appelle Intelligence collective pour un monde en risque et très technologisé. Et ce que dit un professeur de l'Arizona, c'est que pendant le conflit des Balkans, les personnes ont été interviewées après le conflit et ces personnes ont dit « Nous sommes encore pire que pendant le conflit, car pendant le conflit, il y avait un soutien mutuel, une collaboration mutuelle. Et après le conflit, il y a beaucoup d'individualisme. » Ma conclusion, c'est qu'après cette pandémie qui est conjoncturelle, il faudra maintenir l'union, comme maintenant. Bien, bien reçu, Paolo, et on va s'y employer. Et merci d'avoir pensé à remercier Ainhoa, qui est un élément fondamental de ce dispositif. Maria, c'est à toi que va revenir le soin de conclure en tant que dernière intervenante avant qu'on prenne quelques questions, si on a encore quelques toutes petites minutes. Maria. Ah, perdón, que no estaba. Bueno, de nuevo ya se ha dicho un poco. Oui, tout a été dit, à peu près tout a été dit. Donc, en guise de conclusion, je dirais que les trois points importants, c'est qu'il faut maintenir les liens et les contacts. Si les salons ne sont pas possibles et les voyages ne sont pas possibles, avec des réunions et des échanges permettant dans des agora comme... des rencontres comme celle-ci ou des réunions tête-à-tête, comme disait Gloria. Mais le débat et le dialogue entre agents, éditeurs internationaux est fondamental. Il faut aussi renforcer les aides à la traduction, car nous en avons parlé. Ceux qui ont subi l'impact de la pandémie, surtout sont les nouvelles voix, les jeunes auteurs qui publient pour la première fois, avec moyennant traduction. Et donc, si en général, c'est déjà un risque de publier un auteur de 25 ans, si en plus il faut ajouter le coût de la traduction, le risque est multiplié par deux ou par trois. Donc, pour maintenir cette diversité et cette richesse, parfois, il faut soutenir les auteurs au début. Et je voulais aussi reprendre ce que disait Gustavo et Anna, une autre façon de soutenir cette richesse, c'est que les voix locales devraient soutenir les auteurs étrangers. Par exemple, on a parlé, Gustavo parlait de Rulfo, mais aussi avec des auteurs vivants qui peuvent établir un dialogue très, très riche et qui peuvent être les ambassadeurs d'auteurs étrangers dans leur pays d'origine. Merci beaucoup, Maria. Merci à tous les intervenants. On va voir si on a quelques questions dans nos questions-réponses. Claire, est-ce que tu as des questions à nous relayer? Moi, je ne vois pas de questions. Il n'y a aucune question. Je ne vois pas de questions. Je ne doute pas qu'on a été très clair et très complet sur tous les sujets. On va vous laisser juste quelques secondes de plus qui va permettre à Ismaël de boire un verre d'eau pour la traduction. Et n'hésitez pas, on va encore attendre une vingtaine de secondes si vous en avez. Moi, je veux déjà commencer à vraiment à vous remercier parce que vous avez été très complet dans vos différentes présentations. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche. On voit bien ce besoin qu'on a de continuer à se voir et à échanger, même sous des formats extrêmement bizarres. Et de toute façon, j'imagine qu'un certain nombre de ces outils vont évidemment continuer à vivre, même si on arrive à se retrouver le plus tôt possible lors de foires internationales
On l'espère au printemps. Vous avez tous vu que beaucoup d'événements ont été reprogrammés à partir notamment du mois d'avril, mais avec une très forte concentration en mai, juin, juillet, ce qui va tous nous obliger à nous couper en quatre et à reprendre des avions. Bon, voilà, c'est l'espoir qu'on a, mais évidemment, on continuera à organiser des rencontres et avec des gens aussi dynamiques que Acción Cultural Española ou les instituts français. Comme il n'y a pas de questions, je crois qu'on va conclure, on va vous remercier, notamment les madrilènes et les français, enfin les espagnols et les français qui ont veillé un petit peu tard au bureau. Et on va laisser les argentins reprendre le cours normal de leur activité aujourd'hui. Je voudrais très sincèrement vous remercier, vous donner rendez-vous bientôt dans le cadre de tels programmes ou physiquement, en tout cas sur le stand du BIEF, dès qu'on pourra. Le café est généralement bon et vous y serez tous, toutes et tous les bienvenus. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée pour les autres. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.